Eh bien le bonjour à vous les amis, c'est Desan, on se retrouve aujourd'hui sur Team Fortress, oui parce que je ne savais pas sur quel jeu jouer, et ça résume bien un petit peu mon état d'esprit en ce moment, bref. Je suis là avec vous, c'est pas pour une super nouvelle, enfin vous inquiétez pas, c'est pas mon chien qui est mort, c'est pas une triste nouvelle non plus, hein. Faut pas voir ça comme ça les amis. Mais bon voilà, il y a... Je suis un petit peu dans une impasse en ce moment. Depuis que je suis revenu de vacances, je n'ai absolument aucune motivation pour faire des vidéos. Et enfin, c'est même pas la motivation, c'est surtout que je n'ai plus beaucoup d'idées. J'ai l'impression de tourner en rond. Il faut dire ce qui est, les lives que je vous ai. Enfin, le live que j'ai fait mardi dernier sur PlanetSide 2, c'était quand même sacrément de la merde. Voilà, j'ai un contenu qui s'essouffle. Je pense que... Enfin, c'est mon impression. J'ai l'impression de faire un petit peu le... Avoir fait le tour un petit peu de ce que je faisais, de ce que je vous proposais. PlanetSide 2, je sais que vous adorez les amis. Je sais qu'on passe de très bons moments dessus. Mais on arrive à un moment, on arrive à un stade où voilà. Et puis il n'y a pas que PlanetSide 2. J'ai envie de vous proposer d'autres choses. D'autres jeux, d'autres contenus. Et puis, bah j'ai pas d'idée, j'ai pas d'envie, je suis un peu dans une impasse, comme je vous dis. Donc, bah ça m'attriste parce que j'adore faire des vidéos et tout ça, j'adore faire des lives. Tous ceux qui ont pu me suivre, qui me suivent d'ailleurs sur Facebook, ont vu hein, mon post comme quoi j'avais pas trop l'envie de vous faire le live de jeudi soir sur Rome Total War. Et c'est vrai, je ne l'ai pas fait et j'étais content de ne pas le faire. Alors, vous allez me dire, bah, c'est complètement débile. Certes, mais j'avais vraiment pas envie, pas envie de me prendre la tête de lancer le live, de machin, de... Voilà, je n'en sais rien, peut-être que ça m'essouffle, peut-être que je m'essouffle, peut-être que la chaîne s'essouffle, je ne sais pas. La communauté est pas mal, mais je suis un petit peu déçu ces derniers temps. Alors après, je me dis, bon, c'est les vacances, sois un petit peu indulgent, essaye de prendre un petit peu de recul par rapport à ça, c'est les vacances, les gens ne sont pas forcément chez eux, mais pourtant... A contrario, je me serais dit, c'est les vacances, peut-être que les gens ont un peu plus de temps le soir. Donc je partais dans cette optique et malheureusement, bah ça n'a pas marché. Je pensais comme ça, mais on n'a pas plus de vues, on n'a pas plus de communauté pendant les vacances. Donc je me dis, mince, en fait, ça fonctionne pas. Donc déjà, ça donne un petit coup dans l'aile au projet, enfin en général, hein, ma chaîne et tout ça. Même si ma chaîne tourne très très bien, je vais pas dire, franchement... Franchement, ça va, la communauté est cool et tout, je vais pas me plaindre. Mais c'est juste que voilà, en ce moment, c'est un tout. J'ai l'impression de tourner en rond, comme je vous dis. J'ai l'impression de plus vraiment faire grand-chose. D'être un petit peu perdu. De faire tout et n'importe quoi. Que ça soit pas vraiment très réfléchi tout ce que je fais. Et je trouve que c'est dommage. Et donc du coup, je prends pas vraiment plaisir ces derniers temps à faire des vidéos. Donc en fait tout simplement depuis que je suis revenu de vacances, donc ça soit une semaine, c'est pas énorme hein, en soi. Mais voilà, j'ai pris un peu de recul, j'ai réfléchi et je pense prendre une bonne petite pause. Hein. Je me laisse un mois les amis jusqu'à fin août pour renouveler un petit peu et me donner des idées. Pas piocher vers les autres mais attendre que voilà la communauté revienne tranquillement et qu'on puisse se faire des trucs sympas. Pas piocher vers les autres youtubeurs, mais des fois si, hein, malheureusement, il y a une certaine influence, une certaine mode hein, dans YouTube, un petit peu comme dans le monde en général. Et donc, voilà, peut-être prendre un petit peu de recul, je me laisse un petit mois jusqu'à fin août pour faire ça. En plus de ça, bah, je vais essayer de rejouer un petit peu à Wildstar, hein, parce que c'est vrai que je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, donc je trouverais dommage de passer à côté de ça, surtout que j'ai trouvé une bonne guilde bien sympa. Donc ça va être un petit peu le jeu du moment, je vais me mettre dessus, voilà, ça va me permettre en même temps pour la chaîne de trouver de nouvelles idées. Wildstar c'est un jeu que j'ai envie de vous faire partager et donc pour ça, bah, il faut quand même que je fasse des vidéos dessus, que je fasse des streams. Alors des vidéos c'est un peu compliqué pour un MMORPG, hein, c'est plus des streams qu'on peut faire, montrer un petit peu de quoi on est capable, les teams, les tout ça, les guildes. Pour l'instant je suis pas arrivé à un niveau où ça va être super intéressant. Mais bon voilà, c'est peut-être un contenu que j'ai peut-être envie de vous donner, peut-être envie de partager avec vous si ça vous intéresse. Encore une fois, là dans cette vidéo hein, que je vous fais, cette petite info qui va durer peut-être un quart d'heure ou 20 minutes, et j'ai envie de vous parler comme ça, de dire sur ce que j'ai sur le cœur, bah, je vous invite à me laisser un max de commentaires pour me dire ce que vous en pensez, parce que pour moi c'est important. Je sais qu'il y en a qui le feront, parce que je commence à vous connaître, peut-être pas tous, mais je commence à vous connaître.
les petits 5000 abonnés, même si vous n'êtes pas 5000 à regarder mes vidéos, mais bref. Voilà les amis, donc voilà, c'est un petit peu triste cette vidéo, je confirme, hein, j'y conçois, c'est pas super gay, hein, on part pas dans une info géniale, ouhou, un concours, un bordel comme ça, c'est un petit peu tristounet, oui, mais bon, voilà, je préfère prendre une petite pause, tranquille, faire le point un peu sur mes vidéos, le contenu que je peux vous donner, le contenu que je vous ai déjà donné, peut-être tourner une page aussi, arrêter un petit peu Planet Side 2, parce que bah c'est cool, mais je trouve que les lives que je peux vous donner là-dessus, même si c'est génial, parce qu'on partage tous ensemble, bah... Voilà, je pense que, tiens, quelqu'un qui me parle sur Skype pendant que je suis en train de vous parler, c'est bien. Bah, je pense qu'on arrive un petit peu à un stade où on s'essouffle un peu, Planet Side 2, j'en ai un peu marre de vous proposer ça, j'aimerais bien faire d'autres choses avec vous. À la base, je partais sur du Minecraft, hein, qu'on faisait tous ensemble. Malheureusement, c'était la communauté qui m'a un petit peu refroidi, hein, parce que c'est vrai que la communauté de Minecraft est un peu jeune, je trouve. Et puis peut-être que moi je me fais vieux pour faire du YouTube, j'en sais rien. Et puis bon, à côté de ça, c'est vrai que contrairement à tous les YouTubeurs que vous connaissez, bah, par certains, il y en a peut-être d'autres qui sont dans mon cas, mais j'ai un boulot et qui me prend 5 jours sur 7, hein, de 8h jusqu'à 17h30, 18h. Donc pour réussir à vous faire des séries, des choses comme ça, c'est un peu compliqué, sachant que bah voilà, la vie rattrape et puis bah le boulot ça prend beaucoup de temps. J'ai une vie à côté de ça, j'ai des amis, je fais plein de choses et c'est vrai que j'ai envie de faire plein de choses, hein, vous le savez certainement, je ne suis pas un simple geek, comme vous pouvez le connaître, le geek de base enfermé dans sa chambre, en train de jouer ou voilà, le no life, je ne suis absolument pas comme ça, donc palier amis de tous les jours et plein de choses comme ça, plus les jeux, plus la copine, plus le boulot, et ben c'est un peu compliqué. C'est pas forcément évident les amis. Donc c'est pour ça que je vous fais part de cette vidéo pour parler un petit peu avec vous et faire le point qui est un petit peu flou en soi, hein. Je pense que vous pouvez le comprendre, vous l'avez bien compris je pense. Bah voilà, je sais plus trop où je suis, je sais plus trop où je vais sur YouTube, sur les lives, sur The Gaming Show que j'aime beaucoup, c'est un projet qui me tient à cœur et je le lâcherai pas, vous inquiétez pas. Mais pour l'instant je fais une pause, que ça soit vidéo ou live, je vais faire une petite pause. Je vais certainement aussi, parce que voilà, comme je vous ai dit, je vais prendre un peu de temps quand même le soir pour un petit peu jouer à Wildstar avec, avec la guilde. Donc là par contre c'est quelque chose que je vais vous streamer, mais attention, 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 pas du tout de stream prévu, c'est-à-dire je ne donnerai jamais de date, machin, et ça sera pas sur The Gaming Show pour l'instant. Ce ne sera que sur mon Twitch perso, hein, que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. Donc si vous voulez me suivre, voilà, ça sera des soirs comme ça dans la semaine, un temps festif. Je le mettrai sur Twitter au moment où je streamerai, mais ça sera avec la guilde et ça sera un petit peu plus différent. Et ça sera vraiment, encore une fois, un temps festif, il n'y aura pas de... de planning, il n'y aura pas de choses comme ça sur Wildstar. Pendant une semaine, je peux ne pas streamer sur Wildstar, et puis pendant 2-3 jours de suite, je vous fais une soirée, que des soirées Wildstar. Donc si ça vous intéresse, bah encore suivez-moi sur Facebook et Twitter, vous serez au courant. Si ça vous intéresse pas, bah tant pis, allez vous faire cuire un œuf, on s'en tape les couilles. Sinon, bah voilà les amis. Donc, je pense à vous avoir fait part un petit peu de tous mes ressentis par rapport à la chaîne, et par rapport où j'en suis, et ce que je vais faire, etc. etc. J'espère aussi que vous n'êtes pas trop déçus, parce que je sais que beaucoup d'entre vous me suivent et aiment bien ce que je fais. Sauf que voilà, comme en ce moment c'est un petit peu flou, bah, c'est pas forcément plaisant pour vous, il n'y a pas vraiment de série sur la chaîne, il n'y a rien qui suit, il n'y a rien de construit, il n'y a rien d'intéressant. Donc bon, je préfère faire une pause pour vous donner plus tard, dans peut-être 2 semaines. Alors moi je dis fin août, mais ça se trouve dans 1 semaine ou 2, je suis de retour, plein d'énergie, et comment, plein de choses quoi, je ne sais pas, hein, je dis ça, mais ça se trouve, ça sera plus rapide que prévu. Mais voilà, je me laisse au moins maximum jusqu'à fin août pour faire le point, me retrouver des nouvelles idées, des nouveaux jeux, oui, parce que j'en ai pas vraiment qui, pour ma part, pourraient vous intéresser. Bon, là, j'ai acheté un bon jeu que j'avais joué déjà au premier Company of Heroes 2, hein, sur Steam, qui est vraiment un très très bon jeu. Peut-être des vidéos dessus, peut-être une série dessus, ça serait sympa. Mais je préfère prendre du recul plutôt que de me lancer dans une nouvelle chose que je finirai encore jamais. Il n'y a qu'une chose que j'ai fini, c'est la campagne en vidéo, c'est la campagne de Battlefield 4. J'en suis assez fier. D'ailleurs, il faut que je vous mette la suite au moins des épisodes de Max pour ceux qui ont suivi. Mais voilà, donc
Encore une fois, les amis, je suis désolé, c'est peut-être pas une super nouvelle que je suis en train de vous donner, peut-être pas une nouvelle qui va vous réjouir, mais voilà, je fais une petite pause, je dis pas que j'arrête YouTube, hein, vous inquiétez pas, je dis pas que j'arrête les lives et tout, je fais une petite pause The Gaming Show, une petite pause YouTube, je réfléchis, je prends mon temps, je vois les choses venir, et je reviendrai tout frais, tout beau, ça se trouve dans 2 semaines, ça se trouve à la fin du mois, enfin à la fin du mois d'août. Donc je ne sais pas, on verra bien. Sinon, pour tous ceux qui veulent continuer à me suivre pendant cette petite pause, pendant ma réflexion avec moi-même, et certainement aussi avec les autres joueurs que vous connaissez, hein, Rémi Urbain, C4A6, Tom, et puis Todon, avec qui je joue pas mal, prendre peut-être du recul et puis voir avec eux et tout les jeux qu'on pourrait faire. Mais moi, pour l'instant, je prends un peu du recul, je réfléchis. En plus, tout le monde est en vacances. Ceux que je viens de citer sont en vacances, donc je me retrouve un peu solo, donc bon, voilà, j'ai pas vraiment la motivation, et puis en plus de ça, bah, beaucoup d'entre vous sont aussi en vacances, donc ceux qui regardent cette vidéo en vacances, et ben voilà, vous savez ce qui vous attend en revenant. Bref, je pense avoir fait le tour. Encore une fois, pour ceux qui veulent me suivre pendant cette pause, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, abonnez-vous à ma page Twitch, comme ça vous serez au courant, on est déjà quand même nombreux, hein. J'ai 500 abonnés sur Twitch, c'est plutôt pas mal, et donc je ferai des lives intempestifs, surtout sur Wildstar, je pense, et peut-être d'autres jeux, je ne sais pas, mais n'hésitez pas, voilà, ça sera peut-être juste ça, ça sera de l'intempestif quand j'en aurai envie, parce que malheureusement, je pense que de s'imposer ce qu'on fait sur The Gaming Show, c'est bien, parce que ça permet au moins d'avoir, que vous les abonnés vous habituez à une certaine... Et pourquoi j'arrive pas à jouer, bon, enfoiré. Que vous vous habituez à une certaine, on va dire, habitude, hein, de jeu, savoir à quel jeu on joue, à quel moment, à quelle date, à quel jour, et surtout des moments répétitifs, en fait, dans la semaine, et je pense que ça, c'est le meilleur moyen pour que vous ayez l'habitude et que vous prenez ça comme automatisme. Mais pour nous, de l'autre côté, en tout cas, moi, je le vois comme ça, bah, des fois, c'est un peu une contrainte, parce que se dire, voilà, je live le mardi et le jeudi, c'est cool, mais il faut prendre le temps, et il faut s'organiser des fois, et certaines semaines, c'est un peu compliqué, et je n'aime pas faire défaut, et dire, voilà, je ne peux pas, ou je ne veux pas, comme je vous ai fait jeudi. Donc pour ça, je préfère faire une pause, prendre un petit peu des vacances, on va dire, hein. Je prends des congés non payés, et de toute façon, même quand je travaille pour YouTube, c'est quasiment non payé, mais on s'en fout, parce que je fais ça pour vous, et puis pour moi, parce que j'aime ça. Et puis voilà. Donc sur ce, les amis, je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à me suivre encore sur Twitter, sur Facebook, hein, parce que je suis toujours là, hein, j'ai pas dit que j'arrêtais, mais pour l'instant, je fais une petite pause YouTube pour prendre des idées, pour me poser et réfléchir un petit peu à tout ça. Voilà, sur ce, c'est la bonne. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci à tous de me suivre encore une fois. Et puis, n'hésitez pas à mettre un max de commentaires et me dire ce que vous pensez de tout ça. Sur ce, bisous, bisous. À bientôt.